Ah, mais où est-ce qu'il peut bien se cacher, ce moustique? Petit. Boum! Salut Jess! Oh ouais, c'est sympa cette petite déco-plante! Oui, mon papa! Ça va? Oh. Oh bah elle a l'air un petit peu toc-toc là! Non, non. Oh non, non! Mais il m'aura pas! Il ne m'aura pas! Ah! Bon, les amigos, je crois qu'on va devoir reporter l'émission. Ouais, Jess a pas l'air tout à fait normal aujourd'hui. Oh là là, je vais finir par devoir la présenter tout seul, moi, cette émission, entre Lily qui est toujours en vacances et Jess qui devient complètement folle. Non mais tu l'entends pas? Entendre quoi? Mais Jess, écoute, enfin, écoute. Oui. Là, calme-toi. Inspire. Tais-toi et écoute. Oh, un moustique! Oui, je le poursuis depuis 2 heures. Mais j'arrive pas à l'avoir. Oh, mais on doit absolument s'en débarrasser. Mais je sais, Rocky, je sais. Il me rend complètement folle. C'est un moustique ninja, forcément. Il est invisible, il est plus rapide que l'éclair. Oh, il faut le choper. Oui, je déteste les piqûres de moustiques. Oh, mais oui, mais moi aussi, ça gratte. Plus, il faut dire qu'avec tout le sucre que tu engloutis par jour, les moustiques, ils doivent se régaler de ton sang. T'as bon goût pour eux. Oh, fou, ils m'adorent. Mais moi aussi, tellement. Petit. Oh, vous entendez? C'est l'heure du colis mystère. Bon, on devra continuer notre chasse plus tard, hein. Tu payes rien pour attendre, toi. Ouais, fais gaffe, hein, fais gaffe. Oh, ça tombe super bien. Ça a l'air d'être un truc anti-moustique. Le coup de bol, quoi. Merci, oh merci. Oh, il y a un petit mot. Alors, ça vient de animaltechnology.com. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'adore la technologie. Je suis un peu Mister Technologie, moi. Je gère à mort, quoi. Ouais, on m'a dit surtout qu'il n'y a pas plus fort que toi pour casser tous les objets qu'on reçoit. Alors, tu penses que c'est quoi, Mister Technologie? Ben, j'ai ma petite idée, mais je préfère demander aux amigos. Je veux pas tout ramener à moi, tu vois. Pas trop de spotlights. Ouais, je vois ça. Alors, vous pensez que c'est quoi le colis du jour? Un émetteur d'ultrasons super puissant pour anéantir les moustiques? Oh, bonne idée! Ou alors une moustiquaire New Generation pour faire un barrage infranchissable? Oh, ou un camouflage noir et blanc ingénieux pour empêcher le moustique de voir sa proie? Oh, je sais pas, mais ouvrons vite, j'en peux plus de ce moustique! Oh, mais dépêche-toi, Jess! Dépêche-toi! Il arrive! Oh, il arrive! Oh, assoiffé de sang! Mais qu'est-ce que... Des pots de peinture? Mais enfin, c'est pas du tout un truc anti-moustique! Oh, et c'est pas du tout technologique! C'est une arnaque! Mais on va pas peindre un passage piéton, quoi! Pourtant, on dirait que le moustique, il s'est caché! Oh, ben c'est vrai, dis donc! Incroyable! Oh, attends, je crois que je sais! Mais oui! En fait, c'est ultra technologique! C'est une méthode développée par les Japonais! Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Des scientifiques japonais se sont inspirés des zèbres pour aider les vaches! Rocky, t'es sûr que ça va? Parce que c'est toi qui m'inquiète maintenant, ce que tu dis, ça n'a pas vraiment de sens! Vous comprenez quelque chose, vous? Peut-être qu'il a été piqué par la mouche tsetse. Ah mais non, enfin, justement, c'est pour lutter contre la mouche tsetse. Ah, bon, laissez-moi reprendre. Depuis le début, c'est mon petit moment, quoi, celui de Mister Technologie. Je vais vous apprendre un truc de dingue. Vous êtes prêts? Oui. Bon, alors, vous voyez les zèbres, hein? Un animal majestueux, élégant, je dirais même fashion, avec ses rayures que le monde lui envie. Ah oui, très très fashion. Oui, eh bien, les scientifiques se sont longtemps demandé à quoi servaient ces rayures. À part pour le swag, bien sûr. Et alors, ça sert à quoi? Eh bien, ma chère Jess, figure-toi qu'elles éloignent les mouches et les insectes. Mais non.
Mais si! Et il paraît que les insectes voient tout flou quand ils s'approchent des rayures. Du coup, ils sont désorientés et vont piquer ailleurs. C'est une méthode de camouflage. C'est délirant! Et comment ils ont découvert ça, les scientifiques? Bah, ils ont essayé en peignant des vaches. Des vaches toutes zébrées. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Ah, mais ça marche super bien, tu sais. Cette solution pourrait même remplacer les pesticides. Ah, les pesticides, ce sont des produits chimiques qui tuent les insectes. Mmh. Et moi, j'adore quand on trouve des solutions astucieuses pour arrêter les pesticides. Ouais, moi aussi. Mais dis, Rocky, en parlant de zèbres, et vu que t'as l'air de t'y connaître, hein, j'ai une colle à te poser. Ouais, vas-y. Alors, le pelage des zèbres, il est plutôt blanc rayé noir ou noir rayé blanc? Alors ça, c'est une excellente question. Et tu connais la réponse? Bah non, je sais pas. Bah, moi non plus. Mais je suis sûr qu'on peut trouver. Alors, voyons voir. Oh, attends, on parie. Ok, moi je pense qu'ils sont blancs rayés noirs. Et moi, noir rayé blanc. Le perdant doit se peindre comme un zèbre. Ha! Deal. Et vous, vous en pensez quoi? Alors... noir sur blanc ou blanc sur noir? Ils sont noirs, rayés blancs, t'as perdu! Non, fais voir! T'as perdu! Oh, t'as raison! Oh. Bon, alors, voyons voir. Par où est-ce qu'on va commencer tout ça, hein, Jess? Non, mais t'es sûr que cette peinture, allez, elle part bien facilement? Ouais, t'as perdu! Rocky, t'es sûr? Allez, approche, Jess! Rocky? Allez, je veux d'abord savoir si t'es sûr. Yes, on ne se débine pas. Mmh. Allez, Gracie. Oh, mais où est-ce qu'il peut bien se cacher, ce moustique? Oh, allez, petit. Boum. T'es complètement malade ou quoi? J'ai failli avoir une crise cardiaque, moi, mon petit cœur. Oh là là, mais t'exagères, tu m'avais pas vu. Oh, mais non. Et puis d'où tu sors comme ça, là? T'as fait une formation de ninja ou quoi? Ça marche. C'est pas une légende. Quoi? Bah, les rayures, camouflage. Ouais, mais comment ça marche? Bah, l'animal ressemble tellement à son environnement qu'on ne le voit plus. Les rayures, c'est une technique utilisée pour se cacher, pour éviter les prédateurs, pour se protéger. C'est un déguisement, quoi. Ouais, c'est vrai que les tigres, ils ont des rayures aussi. Mais bon, ils sont orange quand même. C'est pas super discret comme couleur. Oui, non, c'est sûr que dans les rues de Bruxelles, on les repérerait direct. Sauf si tu passes sur un passage piéton. Et encore. Mais les tigres vivent dans la jungle ou les forêts. Et leurs rayures ressemblent à des herbes ou des plantes. Tiens, regarde. Waouh, mais c'est super bien fait, en fait. Ouais, il n'y a pas que les rayures. Regarde cette chouette, par exemple. Mais il n'y a pas de chouette dans cette photo, Jess. Si, regarde bien. Oh, waouh! Hey, vous l'avez vu, vous? Oh, mais ça, c'est le niveau débutant du camouflage. Il y a carrément des animaux niveau expert. Genre, par exemple, le gecko à queue plate. Il a carrément une queue en forme de feuille d'arbre. Oh, mais ouais, dis, on dirait vraiment une feuille. Mais les boss des boss, ceux qui dépassent tout le monde, sont les animaux qui arrivent à changer de couleur. Ah ouais, comme les caméléons. Oui. S'ils sont inquiets, ils vont prendre la couleur de là où ils se trouvent. Donc par exemple, sur un arbre, ils vont devenir vert. Et sur du sable, bah, ils vont devenir sable. Oh, mais tellement classe. Ouh. S'il est en colère, ce sera des couleurs vives, comme le rouge ou le jaune. Quand ils sont contents, ils deviennent vert fluo. Et s'ils sont tristes, là, c'est plutôt du gris clair. Mais le mieux, c'est quand ils vont à un rendez-vous galant. Alors là, c'est arc-en-ciel. Oh, comme nous, quand on s'habille selon notre humeur. Et regarde. Ah, quand je mets mon polo bleu, c'est parce que je suis d'humeur artiste. Là, par exemple, je suis en pleine création. Chut, ne me déconcentre pas. Je suis inspiré. Le génie, quoi. Pas mal, ça va bien. Quand je rigole à mort, je mets un polo jaune. Le vert, c'est pour mon côté mysterious. Et le orange, c'est... quand t'as faim. Non, mais non, quand j'ai envie que tu me fasses un câlin. Oh, t'es trop gentil, Violo. Non, ça va. J'expliquais juste, je veux pas que tu me touches. Fais gaffe à mon blouson, quoi. La peinture. Ah, j'avais complètement oublié. Rocky, on est d'accord qu'elle part bien à l'eau, cette peinture.
Rocky, tu me rassures pas trop là. Mais en fait, c'est qu'il y a juste un petit. Ah, Rocky, Rocky, reviens ici. Oh, j'ai l'impression qu'il a fait une grosse bêtise, pas vous? Rocky, où es-tu? Il est parti avant la fin de l'émission? Ou il a préféré fuir parce qu'il a vu que la peinture ne partait pas? Et que même si je suis une fille cool, il y a des limites? Rocky! Où est-ce qu'il s'est caché alors? Oh, quel bon camouflage, hein! Ou alors il est à la cantine! Sylvie fait une dégustation exceptionnelle de desserts au chocolat pour le moment. Il n'aurait raté ça sous aucun prétexte. Ah ouais, elle fait ça, Sylvie? Tiens, j'ai entendu un truc. Boum! Mais t'es complètement malade, Jess! Je t'ai eu! Tu t'es fait avoir par la gourmandise encore. Mais comment t'as su où j'étais? J'étais super bien camouflée. Ouais, bah camouflée, mais pas très très discret, hein. Un jour, j'y arriverai. Il faudrait vraiment que tu développes des pouvoirs de caméléon. Et vous, vous avez déjà essayé de vous camoufler ou de vous cacher? Quand vous voulez être super discret, quels sont vos trucs et astuces? Vous pourriez les donner à Rocky, il en a grandement besoin. Et espionner, vous avez déjà fait ça? Ça a marché? Racontez-nous tout! Bien! Ah, nous deux, maintenant. Pas d'acte irréfléchi, Jess. Non, pitié, pitié. Au secours, Rocky!